vous allez bien. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va les filles. Quelqu'un est passé devant la voiture. J'ai pas dormi de la nuit à cause des démangeaisons. En fait, ça me gratte que le soir pratiquement. Et le matin, je me réveille, c'est gonflé. Et après, ça part trop chelou. Donc voilà, j'ai essayé de prendre un rendez-vous, j'ai pas trouvé, faut que je regarde. Jamil il s'est occupé de Naël ce matin. Je les ai pas entendus tellement j'étais dans le mal, j'étais crevée parce que j'avais pas dormi de la nuit et tout. Du coup, il s'est occupé de lui, il l'a déposé à la crèche et tout. Donc là, moi, je vais aller le récupérer, mon petit bébé d'amour. Et là, vous savez pas, les filles, je vais voir qui. Je vais voir la personne qui m'a fait accoucher. Qui a fait que Naïl, celle qui était là, qui s'est occupée de Naïl, celle qui me l'a mis dans mes bras, celle qui m'a rassurée et tout. Donc là, je vais lui présenter Naïl parce qu'elle l'a pas revue du coup. Depuis que j'ai accouché, donc un bébé ça change, hein. Il a plus la même tête du tout. Donc voilà, on va aller boire un verre ensemble et tout. Enfin, boire un verre. Update, je suis au régime. Modérateur d'appétit. J'ai déjà bu tout ça. Et voilà, bon, il y a du monde, je vais partir. Donc voilà les filles, donc là je vais chercher mon petit bébé d'amour et après on va aller boire un verre. Je vous disais les filles, je devais aller faire les courses aujourd'hui, je les ai pas faites. Comment vous décrire ce goût? Franchement, ça passe crème. Ça passe crème parce qu'en fait, ça a un goût de mon goût, les filles. Donc, je finisse ma bouteille là. Parce que ça, ça va vraiment accélérer la perte de poids. Ça va faire que vous ayez plus faim. Si je vous dis que là, j'ai bu ça là. Vous avez vu, j'ai bu ça là. J'ai rien mangé. Genre, j'ai pas d'appétit là. Je pense que je vais me prendre un petit truc là. On va aller au paradis du fruit. Je vais me prendre un petit truc healthy. Et voilà, et à côté, je vais essayer de finir la bouteille comme ça au moins, ça me coupe la faim. Là, les filles, ah oui, je vous ai pas dit, j'ai fait la pesée. Astaghfirullah, j'étais pas prête à la peser. J'ai honte de vous la mettre d'ailleurs. J'ai honte de vous mettre ma pesée. Moi, je pensais que j'étais arrêtée, je me suis arrêtée quand je suis rentrée au Maroc. Mais en fait, c'est de pire en pire. La meuf ne s'arrête pas. Occupe-toi de ton cul, s'il te plaît. Laisse-moi les mamans parfaites, ça m'insupporte la gueule. Oh, à son sortie. Ouais, mon fils, il a aucune éducation et c'est le roi et il me pisse dessus. Oui. Bon les filles, je suis arrivée, je suis avec ma petite Hanan et on va manger, Naïl il va manger son dessert, son petit goûter, non? Ok. Hanan elle a offert quoi à Naïl? Trop mignon, tu dis merci? Fais un bisou à Hanan, fais un bisou. Bon les filles, ça y est, on a rencontré Hanan, j'ai fait la présentation de Naïl à Hanan, celle qui l'a mise au monde. Le jour de mon accouchement, ça m'a trop touchée de la voir. Franchement, c'est une fille en or. Elle est trop, trop mignonne. Et comme je vous disais... Maman! Oui, mon amour. Quand vous m'avez demandé est-ce que mon accouchement, ça s'est bien passé, elle a changé le cours de mon accouchement, cette femme. Incroyable. Elle me connaissait pas des réseaux. Elle est pas du tout réseau et tout. Et on est resté en contact parce que le feeling, il est trop bien passé et tout. Et elle prenait toujours des nouvelles de Naïl et tout. Et puis bah, là, du coup, on m'a envoyé un message. Et voilà, et du coup, bah, on s'est rencontrés et tout, enfin, on s'est revus. Ça m'a trop fait plaisir, 2 ans après presque. Donc voilà. Bon, Naïl a choisi ce livre-là pour ce soir. Peppa at the Museum. Maman, révise son anglais. Peppa and George are helping Grandpa Pig build a pond. We will start by digging a hole. Says Grandpa Pig. Grandpa! Asks Peppa. What's that in the moon? She has spotted something. Bread in the ground. Bon, déjà, on est mal parti. Chez qui m'a offert un livre en anglais? Non, franchement, si ça, c'est pas de la connerie. Aïe, franchement. Le livre que Tata Soso l'a acheté. Pensée positive. Mamie m'a servi un verre d'eau, mais il n'est qu'à moitié rempli. Je lui ai demandé pourquoi mon verre était à moitié vide. Elle m'a répondu que je me trompais. Mon verre est à moitié plein. Elle m'a appris à voir la vie du bon côté, à penser positif. Ça c'est Nana, et ça c'est Naïl, et ça c'est à boire, c'est de l'eau. Et la grand-mère, Nana, elle a donné à Naïl à boire. Naïl il a dit non, pourquoi c'est pas beaucoup rempli.
Et Nana, elle a dit, bien sûr, déjà, elle a dit, alhamdoulillah, il y a de l'eau, frérot, dans le verre. Continue. Du coup, en version français ou en version arabe, Naïl? Allez, on fait version français. Aujourd'hui, je n'étais pas contente de moi. Le basket, c'est difficile. Regarde, Naïl, le basket. Regarde, là, le basket, et ça, c'est Naïl. Pourtant, quand on y réfléchit, je me suis bien mieux débrouillée qu'hier. Regarde, regarde, Naïl, là, il a marqué un panier. Si je continue de m'entraîner, je sais que je ferai chaque jour des progrès. En version arabe, maman va dire, qu'est-ce que tu fous dans le basket? Maman. Voilà, projet Mbappé. 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 Non, je rigole parce que le basket, c'est très très bien payé, mon fils. Donc, si tu veux percer dans le basket, par contre, pas ici. Hein. Tu vas au States, direction USA, ok? Ok, super. J'ai jobé, on dirait qu'il peut d'être. J'ai pas d'ennemis, moi c'est eux qui m'aiment pas.